Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il va se faire des amis, lui. Il est remonté, là. Ah, ouais. Il a continué. Il a dit que les gens qui prenaient du thé le matin, c'était quoi? Des connards. Pourquoi? Hein? Pourquoi les gens qui prennent du thé, c'est des connards? Ben, je veux pas le dire parce que je veux pas faire de la peine à certains. Moi, je prends du thé le matin. Pardon? Moi, je prends du thé le matin. Tu t'étonnes pas que je couche jamais avec toi? Mais pourquoi c'est pas bien de prendre du thé, monsieur Benichou? Je sais pas, parce que quand on est café au lait, on n'aime pas le thé. Mais moi, je suis café au lait, je bois du thé. Mais le café au lait, c'est un peu lourd, quand même. Parce que c'est drôle. Je suis café au lait, dit-elle, et je prends du thé. Vous avez compris? Oui, on a compris, oui. Applaudissons quand même, c'est malheureux. Non, mais écoutez, franchement, boire du thé, il n'y a rien de mal à ça. Je vois pas dans ce coup. Lui, il est café au lait. Ce qui vous met dans cette colère noire, franchement. Non, c'est une colère noire ou avec un petit peu de lait, c'est pareil. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est le thé, tu vois. Mais pourquoi? Parce que c'est trop sain. Parce que les gens qui boivent du thé, c'est des connards. Ah, il est en boucle, là. Mais ça recommence. Oui, mais pourquoi? Donc tous les Anglais, déjà, parce sont des connards. Je n'aime pas les épinards, et c'est une chance. Car si je les aimais, j'en mangerais, et je ne peux pas les souffrir. Oui, j'ai bien compris, mais... Le thé, je sais pas, moi... C'est bizarre, il manque quelque chose dans le goût du thé. Dans la boue. Qu'est-ce qu'il te manque dans le goût du thé? Il me manque le café au lait. Mais si tu mets du lait dans le thé... Non, parce que là, je me sens un demi-connard. Ah d'accord, ça va pas être mais simple. Alors, vous prenez du thé Darjeeling, ou qu'est-ce qu'il y a plusieurs sortes de thé. Le grès. Ah, c'est très bon. Les gens qui disent, qu'est-ce que vous avez comme thé dans un café? Tu sors avec une gonzesse. Alors tu dis, vous voulez un café? Non, je vais prendre du thé. Ah, un mec, hey, bonjour madame, tu vois. Il sert un thé tous les 15 jours, tu vois. Bonjour madame, un thé? Qu'est-ce que vous avez comme thé? Bon, il y a du thé. Vous avez du Darjeeling? Vous avez du thé de Ceylan? Oui. Alors tu sais déjà que celle-là, elle va finir. Il y a une mode en avec ce moment, un ticket de métro, et hop, et poum. Non. Il y a une mode en ce moment, c'est le thé vert. Ouais. C'est ce que je bois, ça moi. Ça fait longtemps. Longtemps. Bah, je bois très peu de thé, moi. Oui, mais il faut qu'il soit très... Il faut qu'il soit un thé vert, mais juste, quand même. Mais il faut pas... Et si tu prends le thé tard, t'auras des grenouilles dans le ventre. Hein. Donc, en fait, les Anglais sont tous des connards, selon vous. Ah non. Ah bah, ils boivent du thé. Pas de Churchill. Bah, ils buvaient du thé. Ah non, Churchill, il buvait du whisky. Beaucoup de whisky. My brandy. Mais il y a peut-être des heures pour le thé. Les Anglais le prennent à 5 heures et toi le matin. 5 o'clock. Non, mais je crois avoir compris pourquoi ça énerve Pierre. Il vient de nous le raconter, en fait. C'est quand il emmène une dame dans un café et qu'il a évidemment des ambitions personnelles et des vues sur la dame. Si elle prend un café, un expresso, c'est rapide, vous voyez. Si elle prend un thé, il se dit, putain, il faut que j'attende une heure avant de la sauter. Même, je vous dis toujours, si elle continue, à quelle heure je vais monter? C'est ça, en fait, hein. Ça veut dire qu'à la maison, vous n'avez pas de théière. Non, il a une maison hantée, mais bon... Bravo. Ah, la luxothérapie. Qu'est-ce qu'on la trouverait drôle si on ne savait pas qu'elle était dopée? Quand vous rentrez avec la fille, finalement, après ce moment difficile... Il rentre dans la fille. La seule chose que vous ayez en forme de théière à la maison, c'est quand vous enlevez votre pantalon. Il est pâté, on l'appelle la capsule Nespresso. Pierre. Oui, d'accord, oui. On vous a mis de mauvaise humeur à cause du thé. Vous savez bien que j'aime pas le thé. Bon, alors, comme par hasard, on a parlé du thé, non. Je suis connu pour pas aimer le thé. Bon, et vous dites alors le thé, moi. Oh, je ne dis rien, ils m'auront pas ce coup-là. Et vous aimez le thé? Non mais, pourquoi vous prenez pas de thé? Parce que c'est les cons qui prennent du thé. Voilà. On va pas recommencer. Oh là là. Si, on peut recommencer. On va passer au U peut-être maintenant.